un circuit cardio. On va travailler bas du corps, abdos avec des sauts. Si vous ne pouvez pas sauter, faites les exercices sans sauter. Préservez vos articulations avant tout. En exécutant l'exercice un peu plus rapidement que d'habitude, vous allez voir, vous allez quand même travailler le cardio. Premier exercice, les squats. Pieds largeur bassin. Je descends dans mon squat et je souffle, je pousse, je saute. Souffle, je saute. Souffle, je saute. Si je ne saute pas, tout simplement, je m'allonge vers le haut et je retourne m'asseoir. Appuyez bien sur tout le pied dans le sol. Quand vous sautez, je descends dans mon squat, je pousse demi-pointe talon. Amortissez le saut. Serrez bien la taille. Hop. 30 secondes d'effort. 30 secondes de squat sauté. 15 secondes de récup. On passe au mur. La chaise. Au mur, pied largeur bassin. Je reste dans ma chaise. Les genoux sont alignés au-dessus du second orteil. J'aspire le nombril à la colonne. Je me plaque dans le mur. Je reste 30 secondes, puis je relâche pendant 15 secondes et je viens me replacer pour les fentes arrière alternées. Pied largeur bassin, j'envoie une jambe derrière, dos droit, je serre les abdos, poids du corps sur la jambe avant, je repousse et je change de jambe. Hop, tout simplement, sans saut, de profil, je descends. Genou au sol, je repousse. Et pour donner de l'intensité à l'exercice, j'accélère. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite pendant 30 secondes. Je récupère, 15 secondes, je bois une petite gorgée d'eau et je me place en planche. En planche, j'appuie sur tous mes doigts, le bout des doigts, les paumes de main. Je repousse fort le sol, j'éloigne les épaules des oreilles, je m'engage en planche. Je reste ici pendant 30 secondes. Épaules, bassin, chevilles alignées. La tête reste dans le prolongement de la colonne. 30 secondes ici, puis je relâche pendant 15 secondes. Avant-dernier exercice. Planche grenouille, c'est comme cela que je le nomme. Vous pouvez l'appeler, ça doit s'appeler sûrement différemment. Selon les coachs que vous avez. Donc, en planche. Je saute, je ramène les pieds près des mains. Hop, je me retrouve en grenouille. Vous voyez, mon bassin reste quand même assez haut. J'aligne les genoux au-dessus des pieds. Je fais attention de protéger mes articulations. Je repasse en planche, ici. Et je reviens. Grenouille, et j'allonge. Et grenouille, et j'allonge. Le regard loin devant les mains. Hop. Et allonge. Vous ne voulez pas sauter, c'est pas grave. Un pied, l'autre, toujours le bassin haut, et j'allonge. Et vous allez de plus en plus rapidement pour travailler le cardio. Vous pouvez changer de jambe, hop, 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 et je change. Tac, 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 tac. Ok. On passe au dernier exercice, vraiment pour faire monter le cardio avant la grosse récup. Ici, les mains à hauteur du bassin, genoux, hop, 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 hop. Montez de genoux pendant 30 secondes. Tac, 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 tac. On relâche. Le circuit est terminé. Pensez à vos placements. Le genou ne dépasse jamais la pointe de pied. Il est toujours aligné au-dessus du second orteil. Je serre les abdos, je serre la taille pour protéger mon dos. Je bois des petites gorgées entre les séries. Et je récupère avant de refaire le circuit 2 minutes. Ok ? Je vous ai fait un petit papier, je vous le montre, comme ça, si vous avez le temps de vous le noter. Tac. Je ne sais pas si vous voyez avec la transparence derrière. Voilà. Squat sauté, chaise au mur. C'est à l'envers en fait, non? Non, c'est moi qui vois à l'envers. Bref, je ne sais pas, j'espère que ça ira. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le renfo, sinon à vendredi pour le stretching. Au revoir.